et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ah oui, à toi la gloire, ô Jésus ressuscité, deuxième dimanche de Pâques, dimanche inadis, dimanche de la divine miséricorde, dimanche qui achève l'octave de Pâques. Et donc, notre célébration est celle de Pâques, comme d'ailleurs tous les dimanches où nous fêtons et célébrons le ressuscité. Nous sommes heureux d'accueillir une chorale suisse pour vous faire rêver de Lugano. Mais naturellement, on n'est pas au bord du lac. On a la Madeleine, heureux aussi d'avoir le père Benoît Lévesque, qui est curé de la cathédrale de Saint-Malo. C'est aussi froid que le lac. C'est pas vrai? Oui, je connais. On ne peut pas mettre le pied dedans, vous êtes bleu en sortant. Mais il n'empêche que c'est une joie de vous avoir à la Madeleine, tous. Nous allons fêter le ressuscité et nous avons conscience que nous sommes aussi pauvres, limités, mais la divine miséricorde est au rendez-vous, au début de l'Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra mars dominibus, ole voluntatis. Benedicimus Te, adoramus Te. Glorificamus Deus, gratius Deus in
Consacré, fais grandir le don de ta grâce afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Assis. Du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient les repas avec allégresse et simplicité des cœurs. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le savoir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne crois pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées
et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en soi. Acclamons la parole de Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient, sans avoir vu. Ce deuxième dimanche de Pâques, je le disais, est celui de la divine miséricorde. C'est saint Jean-Paul II qui a voulu que ce dimanche soit celui de la miséricorde en s'appuyant sur l'épître de saint Pierre. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors ce matin, nous sommes invités à rendre grâce pour cette miséricorde qui se traduit par l'espérance et la foi. Prenons le temps de méditer sur la foi. Je dis souvent, c'est le plus beau cadeau de notre vie. Votre foi a bien plus de prix que l'or, vient de nous redire Saint-Pierre. Notre foi, elle s'appuie sur le témoignage des apôtres. La seule preuve de la résurrection est le tombeau vide. Personne n'a assisté à la résurrection. Marie-Madeleine, chère ici à cette église, elle était présente à l'ensevelissement. Elle a vu la pierre rouler. Elle a vu la première, le linceul plié. Elle a vu son Seigneur. Mais elle ne l'a pas reconnu du tout, jusqu'à ce qu'elle entende son prénom prononcé par le ressuscité. C'est dire alors que le Christ attend de sa part et de la nôtre, cet acte de foi. Tout comme saint Thomas, nous voulons voir. Mais le Christ attend d'abord notre foi. Remarquez, on serait un petit peu bouleversé si on voyait le ressuscité et que le ressuscité nous dit « Mets ta main dans mon côté ». Mais c'est vrai qu'il arrive que nous ayons des signes pour nous conforter, pour faire croître en nous notre foi. Ou des signes qui ne sont pas spectaculaires. Mais par exemple, un pèlerinage en Terre Sainte, ça peut toucher un cœur. Une présence au cœur d'un silence intérieur. Une rencontre avec des témoins du ressuscité, que sais-je. Mais ne rêvez pas, Saint-Pierre précise, vous exultez de joie, même si vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifient la valeur de votre foi. Quelles sont ces épreuves que nous pouvons rencontrer tout au long d'une vie? Des drames de santé, des guerres, des tremblements de terre, que sais-je. Il nous arrive de poser au Seigneur, pourquoi?
Pourquoi un tel drame? Pourquoi une telle épreuve? Pourquoi le feu de Notre-Dame? Et la réponse, elle est souvent le silence. Les cris que l'Église traverse peuvent aussi ébranler notre foi. Ça peut être un deuil d'un proche, surtout s'il est jeune, qui peut nous faire douter de l'amour. Notre foi, elle demeurera toujours fragile. D'ailleurs, certaines se faire peur en provoquant des doutes volontaires. Vous savez, Patrick fait moi peur. Eh bien, peut-être que les apôtres étaient des illuminés, qui n'ont rien compris, qui se sont fait avoir. Peut-être qu'on a volé le corps du Seigneur et qu'ils n'ont rien vu. Méfions-nous de tous ces doutes volontaires qui mettent en péril notre foi. C'est vrai, il y a aussi des doutes involontaires qui sont des mises à l'épreuve pour faire grandir notre foi. Dieu ne joue pas avec ce bien si précieux. Vous savez, plus notre foi grandit, plus nous sommes dans la joie. Elle fait joie, elle se traduit par le charisme du Magnificat. C'est la joie de la Vierge Marie. Nous rendons grâce pour tous les dons de Dieu, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait, et même parce qu'on a de l'audace, pour tout ce qu'il fera dans nos vies. L'aboutissement de notre foi, dit encore l'Épître, est le salut des âmes. Oui, le fruit de la foi, c'est le salut. Et la foi, elle est liée aux œuvres. On ne pourra jamais séparer la foi de l'espérance et de la charité. Voilà le fruit de la miséricorde divine qui est le cœur du dessein d'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Laissons-nous aimer pour être habités par la joie. Amen. Oh, no.
Alléluia. Pour tous ceux qui sont nés de nouveau par les eaux du baptême pendant la nuit de Pâques, qu'ils entrent dans la joie de l'Église, sacrement du corps glorieux du Christ ressuscité. Prions. Parrains et marraines ayant reçu la grâce d'accompagner les nouveaux baptisés sur les chemins de la foi, que par leur fidélité au Christ, soutenue par l'Esprit, ils soient des témoins du ressuscité. Prions. Alléluia. Ressuscité, le Christ envoie ses disciples témoigner de la bonne nouvelle pour tout la baptiser, qu'il proclame dans la joie la victoire de l'amour miséricordieux de Dieu. Prions.
Seigneur, que nous te présentons toutes ces intentions, toutes celles aussi que nous portons ce matin au fond de nos cœurs. Daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. La quête aujourd'hui est faite pour les séminaires, donc tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera reversé à l'œuvre des vocations. Merci pour votre générosité. Thank you.
prier, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Prenons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et beau pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne partout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chante sans fin l'hymne de ta gloire. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Il est grand le mystère de la foi. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans nous. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice pour nous réconcilier avec toi, et trans au monde entier le salut et la paix, afin que ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans le froid et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre avec l'homme, l'ensemble des avec, les prêtres, les diacres, et tous les peuples qui nous rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as venu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, Amen.
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne et la puissance de toi, le ciel et l'esprit. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse, et je vous donne. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité de Christ, donnez-vous cette paix. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole, je serai bien.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. À la page 4, il y a les annonces pour notre paroisse. D'abord cet après-midi, venez nombreux accueillir le chœur et l'orchestre du Conservatoire régional du Grand Nancy pour le Requiem de Gabriel Fauré. Donc venez à 16h, l'entrée est libre. Samedi prochain, nous accueillerons la cérémonie mémorielle en hommage au corps constitué en service commandé, c'est-à-dire la gendarmerie, les pompiers, etc. Dimanche prochain, nous aurons d'abord la joie à 10h30, une entrée en catéchuménat, pas de 3, mais de 4. Voilà, donc nous accueillerons 4 jeunes adultes, ce qui fait, avec les 3 qu'on a déjà accueillis il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, ça fait 7. Nous rendons grâce pour cela, et puis à 15h, il y a la messe avec la communauté arménienne. Cette messe est présidée par l'archevêque de Paris. Ça sera sa première venue ici, à la Madeleine. Donc, nous rendons grâce. Merci à notre chœur suisse de Lugano. Voilà, on s'était vu, je crois, à Notre-Dame. Voilà. Comme Notre-Dame est fermée, vous avez choisi la Madeleine. Ça veut dire que vous avez bon goût et que vous pourrez revenir quand vous voulez, même si la cathédrale est ouverte. Très bien. Merci aussi, cher Benoît, d'avoir franchi les kilomètres pour venir jusqu'à la Madeleine. Mais tu vois, Saint-Malo, c'est quand même très beau. Et la Madeleine aussi. Mais on n'a pas de vent, on n'a pas l'iode. Et Dieu sait que j'aime l'iode. Voilà, en tout cas, nous sommes dans la joie. Je crois avoir vu les petits scouts au fond. Voilà. Oui, je les vois. Ils sont arrivés juste à l'heure. Comme les paroissiens, les bons paroissiens. Nous rendons grâce pour votre présence. Voilà. C'est la joie qui nous habite, parce que nous avons la foi. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.